Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la Playroom pour ce nouvel épisode de Destiny 2, chers amis. Du coup, je pense que comme prévu, nous allons continuer les missions principales. Entre-temps, j'ai un petit peu joué parce que je savais pas trop combien de temps je pourrais jouer avant de devoir arrêter. Avant la livraison de la bouffe, si je puis dire. Avant la bouffe, simplement. J'ai un petit peu avancé. Disons que j'ai un petit peu avancé à tel point que je suis niveau 20. Bon, c'est comme ça. J'ai un lance-croquette que j'ai trouvé. Donc ça aussi, c'est assez cool. Et enfin, bonjour, vous êtes un centurion décoré. Et surtout, vous êtes maintenant complètement mort. Par contre, vous êtes aussi extrêmement nombreux dans le coin. Ok, faut que j'aille tout au fond. Là où je ne suis pas censé... Ouf, pas me faire chier avec ce groupe-là, ils sont pas extrêmement importants, si. Hop, mais viens. Voilà. Et viens, mais vous êtes nombreux en plus. L'ennemi s'affaiblit et bah retraite. What? Non, je les érecte, l'ennemi il s'est fait erect, c'est tout, point barre. Philippe B. C'est quoi ce truc? Ok, bon bah... J'ai pas trop compris ce qui se passait. C'est assez rigolo, cela dit, hein, mais... Ah, il y a un événement public là-bas. Bon, bah... Il reste du temps, autant en profiter. Hop, tant pis, cet épisode sera peut-être un peu plus long que les autres. Allons les pourchasser. S'ils croient pouvoir espionner... What? Ok, parfait, il l'a eu. Hop. Aïe, j'ai pas eu le temps de placer mon truc. Wouhou. Aïe, tant pis. À côté de mon truc, il y a un... Il y a un coffre. Un coffre secret, qui plus est. Mission d'infiltration vaincue, d'accord. Pardon. Je récupère ça. Un jeton plus de l'argent. Le what? Il y a eu de la régène là ou c'est moi? Oui, ils sont deux. Ils sont deux. Voilà, bouffe. Ok, je prends cher. Oui. Ah bon, c'est aussi passé que... Ah, j'avais pas... Un petit peu de régène, ça va me faire du bien. Ok. Tu la sens passer celle-là, hein. T'es pas censé être genre... Par contre, Adriboy, t'es mignon, mais tu meurs tout le temps, quoi. Ah, ça me fait chier. Oui, tu m'attaques encore plus souvent que d'habitude maintenant, voilà autre chose.
Oui, je l'ai eu. Je l'ai eu. Wouh, c'est la fête du slip. Ah, 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 ils sont nombreux dans le coin. Prendre le butin. Oui. Oup. Bonjour. Vous m'avez surpris, mon bon monsieur. Vous disparaissez? Oui, c'est bien. Tant mieux. Waouh, c'était tendu du slip. On a fait un event public à deux. Ouais, enlevez votre sondeuse d'ici. Ouais, bon. Pas vu les cabales fuir la queue entre les jambes. Ah, ça, je sais pas. Je suis pas allé vérifier s'ils avaient ça entre les jambes, mais écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après tout, si tu le dis, je dirais même, hein. C'est par où? Ok, cool. Allez, on y va. Non, ça veut pas? Genre infiltration, tout ça. Ok. Personne ne me voit, personne ne m'entend. Je rentre dans le vaisseau. En mode ninja, en mode scred. Du coup, il me faut l'arme discrète par excellence, le lance-roquette. Ouah, ça va être ça. La guerre rouge, indestructible. Trouvez Jimmo, c'est indestructible, on va vous coûte que coûte des codes d'accès qu'il détient. Sans doute. Ça va être ça, parce que j'ai eu kill et j'ai rajouté détient au pif. Hein. Hop. Alors. Nous y voilà. C'est parti. Nous sommes dans le transporteur. Bien, votre cible c'est Thumos l'indestructible, un des sbires de Gaulle. Mm-hmm. Les codes d'accès à son c'est le mec le vieil ami. Osorn et lui se sont croisés pendant votre absence. C'est pas pour rien qu'on les appelle la garde sanglante. D'accord. Il irait bien d'être prudent, mais ça n'a pas aidé la dernière équipe que j'ai envoyée. C'est sur le pont de commandement que vous trouverez Thumos l'indestructible. Pour le boom. Un peu trop déni pour que je fasse ma petite fifi précise. Ah, c'est pas trop ce que je voulais faire, mais ça peut s'arranger encore. Vache. Putain, le snipe. Ok. Je l'ai eu. Lui aussi. Ah, il y en a un autre. L'avantage, c'est que j'entends quand il tire. Pourquoi vous fuyez? Bande de lâches. Bah, je m'en fous, hein. Vous groupez tous comme il faut, mais vous allez tous payer, hein, pour le coup. Je sais pas ce que c'est ce petit machin violet qui a serpenté là, mais j'ai pas aimé. Eh bien. Allez bien. Ok. On s'en sort plutôt bien. Bonjour le chien. Ok, lui aussi je l'ai eu. Oups. Lui aussi c'est bon. On s'en sort. Le pont devrait être au-dessus. Trouvons un terminal pour chercher un plan. Terminal? Ok, j'ai le plan. Trouvons Thumos. Oui monsieur. Par là. Ok, j'ai fait ça au pif, mais. L'équipe que Thumos a
pas tués, c'était des gens bien, parmi les meilleurs. Oui, mais ils revenaient pas à la vie. Notre gardien y arrivera au Zorn. C'est notre métier. C'est notre métier. Peut-être pas plus haut que ton cul pour autant. Enfin, ça l'était. Sans lumière, nous ne sommes pas si différents, vous et moi. Oh, petit couple. Petit couple. Ah oui, j'ai bourré un peu, là je reconnais que là pour le coup. Oui, tu as le droit de... Par contre, regarde. Pouf! La porte est bloquée. Ah, ma faute. Un coup d'œil aux alentours. Il y a toujours un autre moyen d'entrer. Bah, ce serait bien si j'avais ma lampe torche en fait. Je vérifie les schémas. C'est bon. Utilisez cette bouche d'aération. Elle devrait nous mener au bon endroit. What? Mais la lampe torche, les mecs, hein, la lampe torche, c'est la vie. L'heure de votre vengeance arrivera. J'y compte bien. La lampe torche, c'est la vie. Eh oui, tant que je suis là. Voilà. Et que vous savez toujours pas vous planquer. Je finirai par vous avoir un par un sans que vous veniez me chercher. Me chercher, pardon. Un mélange entre me chercher et me faire chier. Il y en avait un autre. Si je l'admets, me pose un problème. Quoique. Bon là par contre j'avoue que j'ai un peu chié dans la colle. Allez viens. Monte ta tête. C'est bon. C'est un ennemi, ça va, je me disais aussi. Oh! Le petit coup en traître. Vous avez vu? Bonjour! Viens-tu me voir? Hop les, merci d'être venu! Toi aussi. Merci pour les munitions de lance-roquettes au passage, ça fait toujours du bien. Par là apparemment. Aussi étonnant que ça puisse paraître. C'est blanc ça, c'est normal? Oui bon apparemment ouais. Pas par là. Par où? Par où? Ok. Tout simplement par la porte. Nous sommes presque au hangar. Tumos sait sûrement que nous sommes là pour l'affronter. Vous devriez vous attendre à trouver un comité d'accueil. Holiday, êtes-vous assez proche pour les aider? Je fais demi-tour. Bon bah on y est hein. D'abord me débarrasser de quelques affreux de la Légion qui me lâchent pas. Bon, je m'attendais à plus gros comme comité d'accueil. Sans être méchant. Mais bon. Ah oui, d'accord. Je retire ce que j'ai dit.
Bah oui, groupez-vous, vous avez raison. Merci. Merci beaucoup. Bande de nazes. Bon, c'est quoi ça? Guêpe de sable. Arme énergétique. J'ai quoi actuellement? J'ai ça à 76. Là, j'ai du 200 en fusil automatique. Ça, c'était un fusil d'éclaireur, c'était pratique, mais je vais passer sur ça. Et là, apparemment, j'ai droppé quelque chose. Ça, pistolet mitrailleur Philips 204. Il était bien celui-là. Il était bien celui-là. On va passer sur le PM, c'est pas grave. 203, 194, je prends sur le 203. Ça, 195, 200, je prends le 200. Bon, apparemment, 204, j'ai rien de plus ici. Faudra que je fasse le nettoyage après. Bon, je suis à 200 de puissance, c'est déjà ça. Je recharge à peu près tout. Allez, on y va. Ouvrez la porte du hangar. Allez, parce que là, faut se planquer, à mon avis. Bonjour. Non, ça va, je suis en forme, moi. Mais c'est cool ce que tu fais, hein. Ça dit, hein. Donc voilà un des mecs en archange à moitié qu'on a vu au début du... Vous ne vouliez pas me voir, fallait pas laisser la porte ouverte. C'est pas faux. Ok. On va essayer le PM maintenant, qui a pas du tout la gueule d'un PM. Quoique. Allez, on progresse. On avance. Raté. C'est quoi ça? Tu devrais te déplacer encore plus vite. Hop. Bonjour. Ah merde. Permettez. Ouais, vas-y, fais feu, fais feu, fais feu. C'est bien, oui. Ah. Je pensais que je pouvais plonger un peu, mais non. Toujours par là. Bon, bah, on continue. Je fais ma part du travail. Oui. Allez vous occuper de Thumos pour... J'ai mal aux yeux, je suis désolé. J'en chie un peu dans la colle, là, pour le coup. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans un couloir? Vous allez aux chiottes ou quoi? Boum. Bonjour. Pauvre homme qui passe là au mauvais moment, au mauvais endroit. La suite. Apparemment, il y a des ennemis aussi là. Bah. T'enfuis pas. Ah bon? Bah, excuse-moi pour ta tête alors. C'était pas prévu comme ça. Sésame. Oh, ça sent le boss. Allez, fais péter. Wow, 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 wow. On va commencer par les lieutenants. Voilà. Ok. Oula, il y a du monde derrière moi. Ah oui, ça fait mal, hein. Ça pardonne pas, lance-roquette, hein. Par contre, oui. Pardon, excuse-moi, je t'ai loupé. Voilà. Ah, pardon. Oh là. Bonjour. Vous pouvez me laisser me poser ou... Je vais prendre cher, ouais.
J'arrivais pas à me poser, ils étaient sous moi. Et ça m'a coincé. C'est pas grave, c'est dommage que ça finisse comme ça, mais c'est pas grave. L'avantage de réapparaître. Ah, je refais tout le match. Et j'ai plus que 3 munitions, mais c'est dégueulasse. Je m'insurge. J'ai même pas mon ultime. Enfin, mon super. Et 2-1. Ok, et 2-2. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Je vais lui dire souvent, je crois. Ok. Je crois que j'ai eu les deux. Ah, j'aime pas, les gladiateurs font tellement mal. Eux là. Oh, merci pour le bleu. Ah bah tiens, un lance-roquette bleu. Bon allez, c'est fini. À l'américaine. Voilà. À l'américaine, te dis-je. Excellent travail. Rendez-vous maintenant à la base et trouvez son non. Pour atteindre le Tout-Puissant. On compte sur vous. Excellent travail. Bon, bah, j'ai récupéré bien. Tout ce que j'avais récupéré, je présume. Passer le message que Thumos n'est plus de ce monde. Ouais, vas-y, fais donc. Finalement, c'était pas si dur. Ce qui est dommage, c'est que je sois mort, quoi, finalement. C'est juste ça le truc. Mais ce qui est bizarre, ce qui m'emmerde, c'est qu'il n'y a pas eu la phase avec les chiens. Ça m'a complètement coincé, en fait. Sondeuse. Il y en a encore une. Ah oui, il y en a encore une. Ok, il y a un coffre ici. Je prends. Par contre, il y a encore une sondeuse. Et apparemment, personne ne l'a fait. Ok, cool. Cool, cool, cool. Bon, bah... Je crois que... Non, même pas. Bon, autant pour moi. Par contre, je peux mettre le lance-roquette bleu. 195, là j'ai 202, 203, 202. Je vais mettre le 202 parce que c'est le lance-roquette meilleur que le lance-pas. Selon moi, ça va être mieux que le lance-grenade. Et donc nous disions, on va aller à Honfleur. C'est un drôle de pseudo. Pourquoi pas. L'ennemi s'affaiblit. Et ben en fait, je pense que c'est une zone en fait qui est constamment en guerre. Vous voyez ce que je veux dire. Ok, c'était là. Bon bah du coup, moi je vous laisse là pour cet épisode les amis. Merci de l'avoir laissé Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop.